façon, on ne peut pas gagner et puis rester triste. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais c'est très préoccupant. Aujourd'hui, on est dans un championnat marathon. Et on ne peut pas dire que chaque fois, on doit gagner un bon match. C'est la gagne qui compte aujourd'hui. On prend les trois points. Il y a beaucoup de choses à revoir et puis essayer de progresser encore. Très bon entame de match, une fin catastrophique. À quoi cela est-il dû? À quoi cela est dû? Il faut savoir que l'équipe en face aussi était venue pour faire un résultat. Donc, ils ont essayé de mettre le maximum possible avec des longs balles dans la défense. Et la défense, malheureusement, n'a pas su jouer, des fois jouer la ligne ou des fois jouer l'individualisme. Parce que des fois, il faut faire ma passe strict. Donc, il court toujours derrière pour aller prendre le ballon. Ça nous a pénalisé sur le coup franc là. Et puis, bon, voilà. Après, ce qu'il faut retenir, c'est les trois points. Les trois points, c'est. Mais, coach, dites-nous, cela devient récurrent. On vous a vu face au Soleil FC. Ça a été la même chose. Une fin de match comme ça. Et cette fois-ci aussi, heureusement que cette fois-ci, les trois points ont été pris. Et à quoi est dû cet état de choses, coach? Un état de choses. Bah, écoutez, on a un effectif très réduit. Aujourd'hui, j'essaie de faire un petit ménage. J'essaie de faire tourner l'équipe. Et ceux qui rentrent, normalement, c'est eux qui doivent apporter le plus. Mais des fois, c'est eux qui manquent de rythme. Et puis, bon. Après, il faut prendre la bonne partie qui est trois points gagnés aujourd'hui. Et ça va bien que c'est un championnat marathon. Il faut reprendre les entraînements dès demain et essayer d'aller jouer à Cotonou 2 le mercredi jeudi. Selon vous, quel est l'homme du match? Bah, écoutez, c'est à vous les journalistes de voir ça. Moi, j'étais là en train de mobiliser ma troupe. Les deux équipes ont essayé de jouer au ballon. Et franchement, ça me surprend de voir le championnat dominant à ce niveau. Merci de vous présenter. Moi, c'est Wadjan Abdel. Merci.